Bonjour, mon nom est Jacques Blouin. Je suis copropriétaire de Saint-Pierre-Vignoble, vignoble situé sur l'île d'Orléans, copropriétaire avec mon épouse Christiane Grégoire. Nous sommes arrivés sur l'île d'Orléans en 1999 et nous avons débuté une première phase d'encépagement en 2013. Alors en 2013, nous avons planté approximativement tout près de 2 hectares de vignes. Et on a poursuivi la plantation en 2015, 2016, 2019 et 2020. Présentement, nous avons tout près de 16 000, tout près de 14 000 vignes de plantées, dont 8 500 en production. Alors, le vignoble est situé du côté nord de l'île. Alors, le vignoble comporte approximativement 21 hectares. Mais la zone cultivable est limitée à 5 hectares. Donc, à maturité, nous aurons approximativement 5 hectares de plantés. Nous cultivons essentiellement des cépages hybrides. On en a 5, le Frontenac blanc, l'Acadie blanc, le Marquette, qui est un rouge, le Radisson, qui rentre majoritairement dans l'élaboration du rosé, et finalement, la petite perle qui, éventuellement, va être en assemblage avec la Marquette pour faire un rouge. Alors, nous élaborons présentement 6 produits, 3 blancs, un rosé, un mousseux et un rouge. Notre production, présentement, tourne autour de 16 000 bouteilles. Alors, c'est notre deuxième année de vinification. La première année de vinification, on a vinifié 5 000 bouteilles. Cette année, en 2019, nous avons vinifié 16 000 bouteilles.